Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture, d'une méditation et du psaume. En ce dimanche 30 juin, et oui, déjà arrivé au dernier jour de ce mois de juin, et nous sommes le 13e dimanche de ce temps ordinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort et de la vie. Mais la vie est plus forte que la mort, car tant que nous restons dans la main de Dieu, nous sommes vainqueurs. Et Jésus a vaincu la mort pour nous. Nous méditerons avec le livre de la Sagesse. Nous serons au chapitre 1er, les versets 13 à 15, et chapitre 2, versets 23 à 24, où on parlera de la jalousie. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Mais avant de méditer cette séquence, nous vous proposons de démarrer avec un titre du groupe Hillsong. Demandons au Saint-Esprit de venir souffler en nos cœurs, en nos vies, en notre monde. Viens souffler à nouveau avec le groupe Hillsong. Bonne écoute à tous. Tu pars.
après avoir demandé au Saint-Esprit de souffler à nouveau dans nos vies, eh bien, partageons ce livre de la sagesse qui nous est proposé en ce 13e dimanche de ce temps ordinaire. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés. Pour qu'ils subsistent, ce qui n'est pas dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, le livre de la sagesse nous montre pourquoi il ne faut pas laisser le dernier mot à un regard désabusé sur nos vies. Ce livre de la sagesse nous enseigne également un Dieu qui déplore la mort, qui s'en attriste. Nous pouvons prendre le temps de regarder Dieu, Dieu qui est triste. Triste avec nous, pour tous nos proches qui nous ont quittés. Et nous pouvons lui confier tous nos êtres chers qui sont auprès de lui. Nous savons que Dieu a créé le monde. Il est le créateur du monde. La création est dans la main de Dieu. Cela signifie que la crainte d'être abandonné à un monde voué au hasard, à l'injustice ou au puissant n'a pas lieu d'être. La mort ne peut rien arrêter de l'amour qui structure ce monde. Ce contraste remet les choses à l'endroit. Que serait une vie vécue à l'ombre de Dieu? Que serait une existence où nous ne douterions pas du potentiel d'abondance auquel nous avons accès? Pour la Bible, s'il y a une sagesse, elle consiste à s'emparer de la question et à enfin vivre à la mesure du projet de Dieu. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre. La mort est partout et pour tous. Nous en entendons chaque jour parler de la mort en ouvrant les journaux, en regardant les actualités, à tout ce qui se passe dans le monde. Mais la Bible, elle, la parole de Dieu, affirme que la mort ne règne pas. Et quand nous écoutons ces mots, c'est parce que nous sommes en vie. Je suis en vie. Je suis en vie pour rire de la vie, pour en pleurer les morts. Quelle force extraordinaire que la vie! Quelle chose merveilleuse, ce souffle que Dieu nous a donné à la création du monde, ce souffle qu'il a donné à Adam et à nous aujourd'hui, le souffle de la vie qui vient de Dieu. La jalousie, elle, est une porte d'entrée de la mort. On pourrait dire que la jalousie consiste à se plaindre de la vie chez les autres.
sans voir la vie en moi, en nous. On peut penser à cette expression « l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ». Nous pouvons nommer en nous cette jalousie et demander au Seigneur de la transformer en louange pour la vie donnée aux autres. Laissons ce texte résonner en nous. Écoutons le Seigneur nous dire « La vie est la plus forte. La vie, l'amour est plus forte que la mort. » Et nous pouvons demander au Seigneur de recevoir ces paroles, que ces paroles viennent en nos cœurs, viennent transformer nos vies. La vie est plus puissante que la mort. Et si nous avons confiance en notre Dieu, eh bien nous pourrons suivre Jésus. Suivre Jésus qui aujourd'hui, dans l'Évangile, ressuscite une jeune fille morte et donne puissance à la vie sur la mort, redonne la vie à cette femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Nous pouvons remercier le Seigneur de nous donner la vie et nous pouvons lui demander « Seigneur, comme a fait Jaïr, demander la vie pour son enfant ? » Est-ce que nous sommes prêts à remettre notre vie entre les mains de Dieu ? Ne nous laissons pas imprégner par la jalousie. C'est le fruit du malin. Il n'est pas maître de ce monde. Dieu est notre seul maître. Alors, n'ayons pas peur. La vie est plus forte que la mort. Et si nous marchons à la suite du Christ, nous serons plus forts que la mort. Comme Jésus a vaincu la mort. La vie, il n'est rien de plus précieux que la vie. Prenons-en soin. Faisons attention à la vie de chacun et de chacune, de chaque chose qui nous entoure, de notre mère la terre, qui nous permet la vie, de la nature qui nous permet de respirer. Prenons soin de la terre. Et si nous prenons soin de notre mère la terre, nous prendrons soin des uns des autres. Et si nous prenons soin des uns des autres, nous prendrons soin de nous. Amen. Prenons le temps de prier avec le psaume 29, avant de retrouver tout à l'heure Maria pour nous le partager. Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé, tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie, que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu
Tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et avant de nous séparer avec ce titre du groupe Glorious, je t'offrirai, Seigneur, du dernier album Rouache. Eh bien, nous vous proposons cette prière d'espérance. La vie est une espérance, et même si nos êtres chers ne sont plus là, présents devant nous, ils sont avec le Seigneur dans sa lumière. Et c'est une espérance, un jour, de nous retrouver. Et c'est une prière de Sœur Emmanuel. Seigneur, accorde-moi cette grâce, que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j'arrive à parler santé, joie, prospérité à chaque personne que je vais rencontrer, pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle. Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis. Il m'est parfois si difficile, Seigneur, de dépasser les défauts qui m'irritent en eux, plutôt que de m'arrêter à leur qualité vivante dont je jouis sans y prendre garde. Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder la face ensoleillée, ta face ensoleillée, même en face des pires événements. Il n'en est pas un qui ne puisse être source d'un bien qui n'est encore caché, surtout si je m'appuie sur Marie. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai, de chercher sans me lasser, dans chaque homme, l'étincelle que tu y as déposée en le créant à ton image. Accorde-moi encore d'avoir autant d'enthousiasme pour le succès des autres que pour le mien, et de faire un tel effort pour me réformer moi-même, que je n'ai pas le temps de critiquer les autres. Je voudrais aussi, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de me rappeler les erreurs du passé, que pour me hâter
vers un avenir meilleur. Donne-moi, à toute heure de ce jour, d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami à chaque homme, ton fils et mon frère. Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le fermer, ce qui que ce soit. Seigneur mon Dieu, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd'hui comme moi, afin que diminue la haine et que croisse l'amour. Car depuis ta résurrection, la haine de la mort ont été vaincues par l'amour et la vie. Ouvre mes yeux à l'invisible pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme de ceux qui croient en toi et qui espèrent en l'homme. Amen. Merci à tous de votre fidélité. Un excellent dimanche et on se quitte avec ce titre du groupe Glorious. Je t'offrirai. Salut, bye bye. À plus. Beau tes parfums, ma louange et mon cœur entre tes mains. Je marcherai dans ta fidélité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu, je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Je te suivrai malgré l'obscurité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel. J'ai mon cœur, sont dans le Seigneur.
éternel, en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu, je redirai son fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur. Seigneur.